Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être avec une personne que vous connaissez déjà, puisqu'elle est déjà passée de nombreuses fois sur l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est Dorella Yépan. Bonsoir Dorella. Bonsoir Hortense, et je suis très contente de revenir parmi vous et d'être pour la première fois avec toi. Et j'espère que ça va être un bel voyage qu'on va découvrir ensemble. Je n'en doute pas. Alors, de quoi s'agit-il justement de ce voyage? D'abord, je voudrais dire que Dorella, pour la présenter, est une praticienne certifiée du code des émotions, du code corporel, et du code et du système des croyances. Et elle est également praticienne certifiée en EFT, entre autres. Alors ce soir, on va parler d'ouvrir les portes du cœur, de briser la muraille du cœur et de se libérer des barrières émotionnelles. Et dans cette conférence puissante, vous découvrirez comment l'énergie influence votre vie quotidienne et pourquoi le cœur, en tant qu'organe essentiel, a tendance à ériger des barrières pour se protéger. L'énergie est partout autour de nous et en nous. Elle influence la façon dont nous nous sentons, réagissons, interagissons avec notre environnement. Le cœur est souvent considéré comme le centre émotionnel de notre être. Et lorsque nous vivons des expériences douloureuses ou des émotions difficiles, nous avons tendance à construire des murs autour de notre cœur pour nous protéger. Cette conférence vous permettra de comprendre le processus de construction de ces barrières et les implications pour votre bien-être émotionnel. Vous découvrirez également comment ces barrières affectent vos relations et votre capacité à donner et à recevoir de l'amour. Alors avec Dorella, nous explorerons ensuite des techniques pratiques pour libérer ces émotions et briser les barrières autour du cœur. En suivant cette conférence, vous apprendrez comment libérer votre cœur des barrières émotionnelles. Vous apprendrez à vous reconnecter aux émotions positives, à utiliser le test musculaire pour détecter les blocages, à transformer vos relations et à briser le cycle des comportements addictifs. Merci beaucoup Dorella pour ce thème qui parle de l'ouverture du cœur. Alors, comme je disais tout à l'heure, tu n'es pas nouvelle sur l'Académie de la Nouvelle Vie, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore, parce qu'on accueille souvent de nouvelles personnes sur notre site, sur notre chaîne. Donc, pour ces personnes, je vais te demander de te présenter en quelques mots et nous dire ton parcours, qui tu es. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis Dorella Yépan, je suis d'origine roumaine, j'habite en France depuis 2010. Et à la base, j'étais partie dans d'autres domaines de la vie. Et il y a quelques années, une copine me dit « Toi, tu es bonne avec les chiffres, mais tu dois travailler avec les émotions des gens. » Et moi, je ne voulais même pas comprendre qu'est-ce que ça peut dire, mais elle avait raison. C'est pour ça que je suis ici avec vous. En 2020, j'étais sur le point de divorcer de mon mari. Je pensais que la relation était terminée, mais je suis tombée, pas par hasard, parce que je ne crois pas dans l'hasard, sur les bonnes techniques qui ont complètement changé ma vie. Et du coup, à la place de divorcer, on est très heureux ensemble. Et de là, j'ai commencé à travailler avec les émotions. Donc, je suis, comme tu l'as dit Hortense, certifiée dans plusieurs techniques, mais je me suis arrêtée à quelques techniques seulement et j'approfondis, j'apprends de plus en plus parce que je considère que ce que je fais déjà est incroyable et si moi j'apprends, j'expérimente sur moi, je peux vous l'offrir. Donc, une des raisons pour laquelle je ne pouvais pas travailler avant avec les émotions ou les gens, c'était que j'étais pas contente de ce que j'avais dans ma vie de couple.
Le moment où j'ai vu ma relation transformée, je me suis dit, là, je peux venir face au monde et dire, oui, je peux vous aider. Et comme aujourd'hui, on part du cœur, de cette muraille du cœur, il y a une chose que moi, je décrivais bien avant de faire ce que je fais aujourd'hui. On me demandait souvent, et même là, il y a quelques jours, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'il y a des gens méchants? Et j'ai dit, là, c'est une question piège pour moi. Parce que moi, à l'époque, en tant qu'enfant, je me disais que je vois qu'à l'intérieur, il y a le cœur. Mais là, il n'y a que de la lumière et que de l'amour. Imaginez un instant, l'enfant qui naît. Est-ce qu'il y a un enfant qui naît tout en sachant qu'il veut être quelqu'un de méchant? Je ne pense pas. Donc l'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit, il veut de l'amour, il veut donner de l'amour. Et je me dis, ce cœur, il est pur, il est tout pur. Mais par rapport aux gens qui l'entourent, aux situations qui viennent dans la vie, ce cœur doit être protégé. Et du coup, il y a couche après couche qui va se mettre tout autour du cœur. Et ce beau enfant qui est tout souriant, plein d'amour, ben, il est caché en dessous de toutes ces couches de cette personne que nous, peut-être, on n'aime pas. Et quand on me demande s'il y a une personne méchante, je me dis, ben, si je fais un beau nettoyage, je pense que la lumière de son cœur va franchir et tous vont être contents. Donc ça, c'était ma définition de ce que l'homme peut être. Je disais qu'il y a le cœur qui peut être recouvert de quelque chose, mais je m'arrêtais là parce que je n'avais pas les outils à utiliser pour retrouver cette lumière à l'intérieur du cœur. Et ce soir, justement, on parle de la muraille du cœur et comment on peut libérer le cœur et comment ça peut transformer la vie. Mais avant de parler du cœur comme ça, j'aime faire cette introduction sur l'énergie. On entend que tout est énergie, c'est facile à l'entendre, mais est-ce que c'est facile à comprendre? Parce que moi, quand je dis tout est énergie, je comprends que si je regarde mon corps, donc même là, il y a une lumière en face de moi, et c'est comme si je vois à travers de mes doigts. Donc ça veut dire que si j'ai un microscope et je regarde de plus près, j'arrive à retrouver les atomes et on sait déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des atomes. Donc l'atome, c'était la particule la plus petite, mais en fait, à l'intérieur, il y a quelque chose de plus. Et on retrouve qu'à l'intérieur, c'est de l'énergie. Donc peu importe si c'est mon corps ou si c'est un objet ou si c'est de l'eau qui coule ou même de l'air, tout est énergie. Et si on dit tout est énergie, tout est interconnecté. Si tout est énergie, même les pensées, c'est de l'énergie. Et les émotions, en anglais, on dit « energy in motion », c'est-à-dire l'énergie qui est en mouvement. Donc, émotion, énergie en mouvement. C'est-à-dire que si nous, on a notre énergie, cette énergie va attirer, ça agit comme un aimant sur les choses qui viennent, sur les expériences de la vie. Quand nous, on veut certaines expériences, on doit s'assurer que ce qu'on veut consciemment est aligné sous-consciemment et ensemble, elles vont attirer les expériences que nous, on veut. On ne peut pas attirer ce qu'on veut consciemment si à l'intérieur, ce n'est pas aligné. Donc, le corps énergie, les pensées énergie, même les actions qu'on va faire, c'est une sorte d'énergie et les émotions sont de l'énergie. Maintenant, pourquoi on se met l'attention aujourd'hui sur le cœur? Il y a deux choses que j'ai apprises et je me suis dit, mais c'est incroyable comment c'est important de travailler le cœur. Une, le champ électrique du cœur est environ 60 fois plus grand en amplitude que l'activité électrique générée par le cerveau. Donc, c'est bien plus puissant. Deuxième chose,
le champ magnétique, donc là j'ai dit 60 fois, le champ magnétique du cœur est le plus puissant du corps humain et il est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Donc l'énergie du cœur, c'est vraiment important de l'ouvrir. Le cœur fermé va nous empêcher de vivre pleinement la vie, de ressentir le bonheur, la joie, l'amour. Donc, on va tout bloquer. À la base, cette muraille autour du cœur, elle est censée nous protéger parce que il y a quelque chose, une douleur, un trauma, donc toutes sortes d'expériences qui fait qu'on construit une muraille. L'effet va être l'inverse, parce que quand on construit une muraille, ben, positif ne peut plus passer. Et du coup, on se protège pour ne pas souffrir. Ce qui se passe, c'est qu'on va souffrir. Quand je parle de la muraille autour du cœur, moi j'aime beaucoup les visualisations. Et comment je l'explique, c'est comme si je prends des briques et je construis une muraille tout autour de moi. Au début, je me sens en sécurité. Ouais, j'ai fait une belle chose. Mais après, quand cette muraille devient de plus en plus grande, et là, je ne vois plus rien du tout, et je ne peux même plus bouger, ben là, ça ne fait plus plaisir. Et du coup, le cœur, il est comme ça. Donc, on a construit la muraille, on l'a protégée, mais est-ce qu'on est bien? Non. Parce qu'on a peur d'être heureux, on a peur de sentir de la joie, on a peur de ressentir le bonheur dans la vie. Quand on commence à savoir qu'il y a une muraille, qu'on peut identifier de quoi elle est composée et retirer brique après brique jusqu'à ce qu'elle est terminée, même avant d'en terminer le travail, ben, on imagine à nouveau, donc j'enlève brique après brique, et là je commence à regarder à l'extérieur, et ça fait plaisir. Et là je me dis, il y a de l'espoir, je sais que ça va bien se passer. Et du coup, on retire brique après brique, et on prend plaisir dans la vie. Donc, tout en sachant cette puissance du cœur, même il y a cette résonance, donc il y a le cerveau, le cœur, et même l'estomac, parce qu'il y a un troisième cerveau qui agit très bien et lui aussi, il est très puissant. Donc, on nettoie autour du cœur, on vérifie les choses qu'on peut faire et petit à petit, on ressent de plus en plus le bonheur dans la vie. Donc, j'anime beaucoup d'ateliers avec vous et il y a des personnes qui m'écrivent après et me disent, donc j'ai des personnes qui me disent, j'arrive pas à croire comment c'est simple. Ce travail de libération, on libère des émotions, on va parler de ça tout à l'heure. Il semble rien du tout, mais moi je me réveille et je sens le bonheur. J'ai retrouvé la joie de vivre. Et c'est que des petits ateliers comme ça. Donc on regarde les ateliers qu'on anime dans l'Académie de la Nouvelle Vie. Et on se dit, mais j'arrive pas à comprendre. C'était juste un petit atelier, rien de compliqué. Mais mon cœur, il est tout heureux. Et moi, je sens que la vie change. Donc, Hortense, qu'est-ce que tu en penses jusque-là de ce que je viens de partager? Eh bien, de toute façon, je suis d'accord avec toi par rapport aux épreuves qui nous bloquent quelquefois. Parce que généralement, on dit souvent que c'est l'ego qui a peur, c'est le mental qui a peur et empêche le cœur justement de s'expanser à ce moment-là. Mais le fait de vouloir se protéger, finalement, on empêche évidemment le négatif. On dit ça aussi, hein, on érige une protection, mais la protection, ce n'est pas seulement contre les ennemis, c'est-à-dire les énergies négatives, mais on empêche aussi tout ce qui est amical, c'est-à-dire nos énergies positives qui pourraient être nous aider de rentrer. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il faudrait alors? Il faudrait en fait accepter aussi les épreuves de la vie. Est-ce qu'il faut... Oui.
L'acceptation, elle est impérative. Donc, on ne peut pas guérir, sortir de quelque chose tant qu'on n'accepte pas. Dans tout ce travail énergétique qu'on fait, on accepte toujours. On ne va jamais nier quelque chose. Donc, quand il y a une expérience du passé, on ne va pas nier que ça existait dans le passé. Donc, c'est vraiment important de partir avec de l'amour, de l'acceptation. Une autre visualisation, moi, j'aime penser que ce que j'ai à libérer, c'est comme une personne, donc comme si moi, je suis prisonnière quelque part. Si moi, je suis prisonnière quelque part, dès que j'ai la porte ouverte, je sors et je suis contente et je sens que je suis libérée. Et c'est comme ça que je sens toute émotion. Je me dis, ben, c'est une énergie qui est piégée, qui est prisonnière à l'intérieur de mon corps. Elle aussi, elle n'est pas bien dans mon corps. Et du coup, je la libère. Et du coup, c'est avec de l'amour. Et quand on fait les choses avec de l'amour, c'est comme s'il y a une énergie qui grandit et c'est de plus en plus puissant dans ce qu'on fait. Mais là, comme tu dis, donc on construit cette muraille. J'aime aller au-delà des explications parce qu'il y a toujours ce côté comprendre ce qui se passe. Donc, comment est-ce que les choses se passent? Et moi, j'ai eu besoin de vraiment comprendre tout pour pouvoir le donner ensuite. Parce que la libération, elle est tellement simple qu'on se pose des questions. Et on a besoin de comprendre, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais d'où ça vient? Comment ça se passe? C'est vrai qu'il y a certaines choses, on peut se dire, mais comment est-ce que tu peux être sûr? Je ne sais pas, je demande en sous-conscient, je reçois des réponses, je crois tellement dans ce que je fais. Je dis aux gens, si vous êtes ouvert à ce que je fais, moi je crois pour tous les deux. Donc il ne faut pas croire, il faut juste expérimenter. Et après, les bienfaits, ils viennent. Et cette muraille, donc on vient de parler une muraille autour du cœur, on a parlé des émotions, des énergies. Comment est-ce qu'on construit cette muraille? Parce que je parlais des briques. Donc moi, je vois les briques comme des émotions piégées. Mais d'où est-ce qu'on a ces émotions piégées? D'un côté, c'est nos émotions à nous. Donc j'ai subi quelque chose, j'ai senti des émotions, je ne savais pas quoi faire de mes émotions et ce qui se passe, elles restent piégées dans mon corps. On a beaucoup d'émotions. Donc, je voulais dire des milliers, ça va au-delà de ça, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Est-ce qu'on doit entrer en panique, mais pourquoi j'ai toutes ces émotions, qu'est-ce que je fais de ma vie? Pas du tout. On peut vivre sa vie. Donc, même moi, j'ai encore des émotions piégées dans mon corps et je suis toute souriante, toute contente de partager ce moment avec vous. Donc, il ne faut pas entrer en panique, mon Dieu, le travail, ce que j'ai à faire. Au contraire, la façon dont on travaille, on cherche toujours la chose la plus importante à travailler. Et quand on découvre les plus importantes, l'autre jour j'avais dit, ben, c'est comme si on met sur un bâtiment, donc il y a les points clés quand on veut le détruire, et du coup c'est pas brique par brique qu'on le prend, on trouve les points les plus importants, on fait la petite explosion et il est détruit. Et du coup après, il n'y a que les ménages à faire dans l'énergie. Donc des briques, on en trouve dans le corps de partout, de tout le parcours de notre vie. Mais il n'y a pas que les émotions qui nous appartenaient. Parce qu'on peut hériter des émotions. On peut recevoir des émotions, c'est-à-dire absorber. On voit quelqu'un souffrir, on ne lui a pas piqué l'émotion. Mais l'origine, c'est que moi, Hortense, je te vois souffrir un jour et je me dis, je prends cette souffrance. Je ne l'ai pas prise de chez toi, donc il ne faut pas devenir un sauveteur pour les autres parce qu'on ne les aide pas comme ça. Mais je me retrouve moi aussi avec cette souffrance qui est à moi à l'origine parce que je l'ai vue chez toi. Il y a même des émotions prénatales entre le moment de la conception et le moment de la naissance. Soit on les a ressentis nous, soit c'est la maman qui ressent, soit il y a des énergies, ben, j'ai vu chez quelqu'un et du coup, pareil, j'ai absorbé cette émotion. Et il y a même des émotions avant la conception. Donc, si vous ne croyez pas dans
des vies avant la conception. On va pas vous dire le contraire. Donc moi, je respecte les croyances de chaque personne, mais on peut trouver des émotions avant la conception. On trouve ce genre d'émotions dans la muraille du cœur aussi. Et je vais expliquer un petit peu plus sur la muraille. Donc, les émotions sont dans le corps à disponibilité. Dès qu'il y a une pression plus importante, ben, c'est comme si la muraille, je me dis, elle regarde à gauche, à droite et elle prend une autre émotion pour grandir le mur. Le docteur Bradley Nelson, qui a créé le code des émotions, parlait au début de vérifier comment est le mur, quelle est sa taille, la dimension. Après, avec les années passées, il a vu qu'il n'y a aucune raison de vérifier ça. Donc, les gens qui lisent le livre « Le code des émotions » vont se poser des questions et vont vouloir savoir « Oh, mais mon mur, il est comment? Il a quelle taille? Il fait quelle dimension ?» On peut avoir des murailles des dizaines de kilomètres, des 2 kilomètres. Et les gens sont « Waouh, il est tellement grand !» Et je dis « Ça fait rien, ça peut être une seule émotion qui fait une muraille comme ça. » Donc, l'important, c'est de identifier les émotions, de les libérer et de voir comment le corps se sent avec les libérations. Donc, je reviens, je pars dans les explications, mais je reviens toujours pour continuer le fil des idées. Donc, il y a plein d'émotions et ça peut être des émotions qui étaient déjà héritées. Donc, on peut se retrouver au moment de la conception avec des murailles construites. Et du coup, dès la naissance, il y aura déjà des émotions. Et après, au fur et à mesure des expériences, il y a des émotions qui se remettent sur la muraille. La taille peut aller de 5-10 émotions jusqu'à, j'ai vu même plus de 100-150 émotions. Ça, c'est très rare. Je pense que ça vient aussi du fait que nous, on travaille. Donc, on fait un travail de libération en continu. Et donc, ce n'est pas que à travers le code des émotions qu'on peut libérer. Là, c'est très bien structuré pour libérer les émotions. Mais par exemple, on se fait un câlin avec quelqu'un et là, il y a un gros soupir. Là, c'est une libération. On ne sait pas ce qu'on a libéré, mais on peut libérer quand on rigole, quand on se sent bien, quand on est embrassé. Donc, il y a plein de choses qui nous donnent ce sentiment de bonheur, de libération des émotions. On utilise les briques, on construit les murs et après, ben, on est censé avoir un cœur protégé. C'est tout le contraire qui se passe parce que à la place d'avoir le cœur protégé, il y a peut-être un désespoir, peut-être une dépression, de l'anxiété, de la colère. Donc, on peut ressentir pas mal d'émotions qui nous empêchent d'avoir le bonheur. Qu'est-ce qu'on fait pour libérer le cœur? Ben, on part d'un problème spécifique. Par exemple, je ne peux pas avoir une relation, je n'arrive pas à avoir de l'argent, je n'arrive pas à trouver un travail, je ne réussis pas dans ma vie, je n'aboutis pas, j'arrive pas à m'entendre avec mes enfants. Et du coup, on pose des questions, on utilise le test musculaire, on va voir ça plus tard. Et à partir de là, on vérifie s'il y a une muraille autour du cœur. Par exemple, on libère les émotions de la muraille, on a terminé la muraille et des fois, on peut avoir une nouvelle muraille. Parce qu'on travaille spécifique, on cherche sur cette problématique, on a libéré les émotions, on est bien et après, ben, il y a un nouveau besoin d'une muraille autour du cœur. Et il y a les briques sont à disponibilité tout le temps et du coup, une nouvelle muraille va se construire. Dans mon travail, j'ai vu aussi qu'on libère toute émotion qui est prête à être libérée. Si par exemple, on traverse une période très lourde, donc il y a des problèmes, soit un divorce, soit un chagrin, ben, cette muraille, elle est là pour la bonne raison, pour protéger le cœur.
Donc, des fois, on peut demander, est-ce qu'il y a une muraille? Oui. Est-ce qu'on peut libérer? Non. Parce que on doit encore protéger le cœur. Donc, pour moi, les émotions négatives ne sont pas négatives. Elles sont là pour nous dire qu'il y a quelque chose à apprendre, à voir, à ressentir. Mais au-delà de « attention, je suis là pour te dire quelque chose », on doit libérer les émotions pour s'autoriser à vivre la vie. Donc, j'aimerais savoir ce que vous êtes déjà en direct, si c'est intéressant, si je vous ai dit déjà des choses nouvelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions parce que moi, je parle toutes les choses que je trouve importantes, mais il se peut que vous avez des questions et je ne sais pas vos questions si elles ne sont pas exprimées. Ok, donc, une fois, en attendant vos réponses, moi, je continue un petit peu et après, Hortense, toi aussi, tu vas me dire si tu as tes questions à toi. On peut part de quelque chose de spécifique, on vérifie s'il y a une muraille autour du cœur et si on peut commencer à libérer les émotions, on libère émotion après émotion jusqu'à ce qu'on termine avec la muraille. Vous pouvez savoir que des fois, la plupart des fois, on ne va pas libérer toutes les émotions dans une seule séance. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Vous les aviez déjà dans le corps, donc il n'y a aucun souci qu'on n'a pas terminé. J'ai vu le travail de libération en groupe, c'est une énergie de groupe qui se crée et cette énergie de groupe va soutenir. Je vous ai dit au début de cette conférence qu'on cherche la chose la plus importante. Donc, quand on est tous ensemble, il y a cette intention qui est faite de retrouver les émotions les plus importantes. Donc, on va détruire le bâtiment, la muraille autour du cœur avec les éléments clés les plus importants. Et du coup, dans le travail de groupe, donc même si vous faites le test qui vous dit « je n'ai pas de muraille autour du cœur », mais quand on fait ce travail de groupe, il y a les énergies appropriées qui sont prêtes à être libérées. Et du coup, avec ce travail qu'on fait ensemble, vous ressentez les émotions libérées et l'énergie du corps changer parce que tout est énergie, les émotions sont de l'énergie, le corps est de l'énergie. Donc, quand on libère les émotions, l'énergie du corps va changer. Donc, nous, pour travailler sur la muraille du cœur, on va utiliser le code des émotions. C'est un tableau avec 60 émotions et avec le test musculaire, on identifie les émotions, on libère les émotions une après l'autre et il y a un travail de nettoyage énergétique qu'on fait en fin d'atelier parce que j'aime toujours mettre un peu plus dans le travail qu'on fait. Donc, pas juste libérer des émotions. Des fois, j'ai l'impression que j'ai tout vidé, mais maintenant c'est vide, je veux quelque chose de positif. Et c'est comme ça qu'on travaille. Le travail énergétique, surtout avec moi, c'est important d'avoir un équilibre. Je libère, mais j'apporte aussi quelque chose. Donc, Hortense, qu'est-ce que tu en penses jusque-là de ce que je viens de partager? Ben non, mais là, justement, tu étais déjà en train de parler de l'atelier, là, de ce qu'on va faire pendant oui, l'atelier. Oui, un petit peu, juste un petit peu. Là, un petit voilà. Peu. Ouais. Je vais te demander de revenir là-dessus. Et moi, j'ai juste une question. Je l'ai noté d'ailleurs. Comment est-ce que il faut avoir conscience de ces murailles construites autour de nous? Peut-être qu'il y a des gens. Tu sais, il y a une expression française qui dit on a le nez dans le guidon. Tu connais cette expression? Je ne l'ai pas entendue. En fait, ça veut dire tout simplement que quand on est en fait embourbé dans quelque chose, dans l'émotion, on ne sait plus où on est. On ne pense même pas. On ne sait même pas qu'on a des émotions, qu'on a des on ne sait même pas qu'on est malheureux. Quelquefois, les gens sont englués dans leurs problèmes, dans leurs émotions, et ils ne voient plus, ils ne pensent même plus à sortir de là. Donc, est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, pour des personnes,
Parce que je pense que pour pouvoir dire « je vais me libérer de mes émotions », il faut déjà avoir conscience qu'on a ces émotions et ces murailles. Et comment en prendre conscience, justement ? Donc là, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui disent « je ne sens pas d'émotions ». Donc là, c'est un beau signe qu'il y a une muraille. Parce que c'est tellement enfermé, mais moi, je ne ressens rien. Ni plaisir, non, mais je ne suis pas malheureux. Ok, d'accord. Et le travail sur donc ce genre de travail qu'on fait ensemble, la facilité, c'est que ce n'est pas à la personne de répondre « qu'est-ce que tu ressens ?» Donc, la façon dont on travaille pour libérer les émotions, on fait une connexion énergétique et c'est moi qui pose les questions au sous-conscient. Et en posant les questions au sous-conscient, je reçois les réponses et je dis ce qu'on va libérer. La plupart des gens vont ressentir quelque chose. Par exemple, donc là c'est juste un exemple, on n'a pas fait de connexion, c'est juste pour dire l'exemple. Je trouve de la colère. Et le moment où je dis colère, donc la personne pour qui je travaille, je sais. Elle voit déjà l'instantané où quelque chose s'est produit. Quand on va libérer l'émotion, il y a quelque chose qui s'est enlevé depuis les épaules. Et du coup, j'ai des personnes, mais là, j'ai envie de chanter, mais j'ai l'impression que je suis au-dessus du sol. Donc, ce n'est pas comme ça pour tout le monde. J'ai des personnes, je n'ai rien senti. Non, rien ne se passe. On se retrouve dans une semaine, deux semaines. Ça dépend de la fréquence qu'on se voit. Et là, non, j'ai rien ressenti de la séance. Non, 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 j'ai trouvé du travail, je suis tellement occupée. Ah, d'accord, donc il n'y a aucun changement. Non, 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 parce que j'ai trouvé du travail. Donc, on n'est même pas conscient des changements qui viennent dans la vie. Donc, il y a les deux. Il y a ceux qui ressentent beaucoup, il y a ceux qui ne ressentent rien. Mais dans les deux cas, moi, je dis, c'est comme la gravité. Donc, on ne doit pas croire qu'il y a la gravité. Non, on va dire, non, mais moi, je n'y crois pas. Oui, mais pourtant, je ne peux pas voler. Hein. Donc, si je n'y crois pas, je ne vais pas m'envoler juste comme ça. Donc, moi, j'aimerais voler. J'ai beaucoup rêvé dans ma petite enfance. Donc, je voulais même me jeter depuis un bâtiment de 8 étages parce que j'étais sûre que je sais voler. Donc, mon Dieu, j'espère que les enfants ne m'entendent pas parce qu'à 5 ans de vouloir voler comme ça, bon, je suis là, je n'ai pas fait le saut dans le vide. Oui, mais donc, même si j'y crois pas, la gravité, elle est là. Ce travail énergétique va fonctionner. La seule limite qu'il y a, si moi, je veux te prouver que ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Donc, si moi, je me pose au travail énergétique, la porte, elle est fermée. Et du coup, moi, je respecte l'énergie de la personne. Mais en dehors de ça, j'y crois pas, je comprends pas, mais je suis très curieux, très ouvert, je laisse faire. Là, ça marche. Ok, super. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle de l'atelier ? On peut parler de l'atelier ? Un petit peu, oui, parce que après, quand j'arrive à la fin, moi, je reprends en plus de détails, mais un petit peu comme ça, les gens savent ce que c'est l'atelier, pourquoi venir. Oui, c'est avec grand plaisir. Donc, pour les personnes, en fait, qui sont avec nous là en direct, hein, j'ai mis dans le chat le lien. Vous pouvez cliquer dessus et comme ça, vous arrivez à une page où vous avez donc déjà, vous pouvez lire déjà toutes les informations concernant le contenu de l'atelier. C'est un atelier qui se passera mercredi 26 mercredi. Juin, ouais. C'est ça, ce sera à ouais. 20h, et ce sera avec moi aussi. Donc, on sera encore ensemble, Dorella, ce jour-là, ouais. Avec toutes ouais. les personnes qui seront avec nous aussi en atelier. Et pour les personnes qui regarderont le replay, bien sûr, vous aurez aussi, en dessous de la vidéo, lorsque vous êtes sur le site, vous avez toutes les informations pour vous inscrire à l'atelier tout en bas de la page, hein, en dessous de la vidéo. Et les personnes qui regarderont le replay sur YouTube, vous aurez dans la description un lien sur lequel vous cliquez. Vous arriverez sur la même page pour
vous inscrire. Alors, quelque chose d'important quand même, qu'il faut que je dise, c'est que à partir d'aujourd'hui et pendant 14 jours, le prix est un tarif promotionnel de 34,50 €. Voilà. Et après les 14 jours, on passe à un tarif de l'académie normal, un tarif normal qui est de 57 €. Donc, si vous vous sentez appelé par cette libération émotionnelle pendant l'atelier que nous allons faire avec Dorella, donc, je le rappelle, le mercredi 26 à 20h, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien pour les personnes qui sont avec nous, donc en direct, à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat. Sinon, pour les personnes qui regarderont le replay, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, ce sera en dessous de la vidéo. Voilà. Oui. Pour toutes les questions pratiques. Merci beaucoup. Et j'ajoute quelque chose moi aussi. Même si vous ne pouvez pas participer en direct, vous pouvez quand même l'acheter parce que dans ce travail énergétique, l'intention qu'on met est très importante. Donc, Hortense te disait, j'ai des certifications, j'ai beaucoup appris et j'ai appris comment travailler à ma façon. Donc, nous, on utilise ce code des émotions, mais après, c'est le mélange des techniques. J'ai compris comment travailler, comment faire ce travail énergétique. Et du coup, en regardant les praticiens, les grands praticiens, j'ai vu une fois un monsieur qui disait, j'ai tout préparé pour toi. N'importe quand tu regardes cette vidéo, c'est fait pour toi. Et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ben oui, mais en fait, l'intention, elle est vraiment importante. Donc, moi, quand je dis, ben, on va travailler lors de l'atelier, donc même si on regarde en direct, on peut reprendre le replay parce qu'il y a de nouvelles choses qui se passent. Et si on ne peut pas participer en direct, déjà, l'atelier, il travaille en direct parce que l'intention, elle est là. Et du coup, ensuite, quand vous regardez l'atelier après, vous ressentez comment ça marche. Et si vous vous demandez, mais comment ça peut travailler, je vais juste vous demander de penser à votre chanson préférée. Et juste penser à votre chanson préférée et dites-moi, est-ce que vous sentez que vous dansez, vous êtes là, il y a les souvenirs qui viennent et là tout est incroyable parce qu'il y a cette chanson incroyable et là je la vois, je chante, je suis là, je suis déjà partie ailleurs, mais c'est pareil. Donc on peut dire, mais non, mais c'est personnel, mais on peut pas. Ben moi c'est comme si c'est cette chanson là qui chante pour vous et oui c'est personnel. Parce que pour chaque personne, il y a la chose personnelle qui va résonner. Et c'est vraiment incroyable parce qu'à partir des bonnes intentions, les bons outils, le bon travail, on voit la vie changer. Là, sur l'académie, j'ai l'impression que c'est ma 7e conférence. Donc, vous avez déjà 6 conférences que vous pouvez regarder, même les ateliers que j'ai déjà animés. Et du coup, en regardant ça, vous pouvez voir même peut-être mon évolution, parce que au début, honnêtement, j'étais là, j'avais vraiment peur. Qu'est-ce que je vais faire? Qui va me regarder? Mais petit à petit, j'ai vu plus et plus du monde venir vers moi, participer aux ateliers, et j'ai vu leur évolution. Parce que avec certains d'entre vous, j'ai déjà parlé, et j'ai vu comment ça vous soutient. Donc, n'hésitez pas à venir en direct, en replay et même revoir les autres conférences que j'ai déjà animées et les ateliers parce qu'il y a un lien entre chaque atelier, chaque conférence. Et Hortense, tu me l'avais dit, donc chaque atelier est différent. Donc, ce n'est pas le même thème qui vient, qui revient. C'est toujours quelque chose de différent, de complémentaire pour pouvoir vous soutenir au mieux. Mais là, je veux revenir à cette muraille. Parce que petit à petit, je veux arriver aussi à un exercice que j'aime toujours partager avec vous, de faire les exercices sur vous-même, de tester, de voir, mais est-ce que c'est quelque chose de vrai? Mais avant d'en arriver là, je veux remettre le point sur libérer les émotions piégées, libérer le cœur de cette muraille. Donc, comme on disait, ouvrir les portes en grand pour le positif. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Donc, je considère, on parlait de petit enfant qui naît plein d'amour, plein de bonheur.
Je ne sais pas si vous, vous avez jamais imaginé une vie où tout le monde est heureux comme ça. Donc moi, je me demande, mais s'il y a un monde où tout enfant reste avec le cœur ouvert, comment est-ce que ce monde serait? Et du coup, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. On va avoir un nouveau monde où chaque personne est épanouie, est heureuse dans sa vie. Donc, ce n'est pas une promesse de faire un travail à l'instantané, mais c'est un outil et c'est un pas qu'on franchit ensemble. C'est une prise de conscience. Tu me demandais, Hortense, par rapport aux émotions, donc comment est-ce qu'on peut savoir qu'on doit les libérer? Ben, c'est une prise de conscience. C'est un travail à faire. Ce n'est pas quelque chose de lourd. C'est vraiment beau parce que émotion après émotion, étape après étape, on commence à voir ce côté positif dans la vie. Et quand on voit ça, ben là, on se dit, ben, si j'ai fait déjà ça, je veux plus. Et là, on continue et ça devient une très belle habitude, prendre soin de soi. J'aime dire, c'est notre douche quotidienne émotionnelle. Juste imaginez ça. Donc, je prends ma douche où on se brosse les dents tous les jours. Ouais, ben, l'intérieur a besoin de prendre soin de soi-même. Donc, oui. Là, il y a une question de Mercedes que je vais afficher. Mercedes demande, est-ce qu'on enlève, donc je suppose que c'est pendant la, elle pose des questions à propos de l'atelier, est-ce qu'on enlève un blocage ou une muraille d'une émotion pour toujours? Donc, c'est un petit peu l'inverse, mais je réponds à chaque pièce de la question. Chaque émotion libérée, elle est libérée pour toujours. Mais nous, on libère des émotions spécifiques, des instantanés spécifiques. C'est-à-dire, quand on libère la colère, je ne libère pas toute la colère de toute ma vie, de toutes mes autres vies. Ça n'existe pas. Donc, on a un âge spécifique. Il y a une situation spécifique où on libère. Donc, on libère la colère d'un moment spécifique. Peut-être dans cette même expérience, j'ai ressenti de la honte, du rejet, peut-être même une trahison. Donc, on libère émotion après émotion après émotion. Donc, quand on libère la muraille, donc on libère émotion après émotion après émotion, on libère la muraille. La muraille n'est plus là. Je disais, si le cœur a besoin d'être soutenu à nouveau par une autre muraille, elle se construit à partir d'autres briques. Et une chose que j'avais vue, par exemple, on peut retrouver une muraille autour du cœur à cause d'une maladie. Donc, on retire cette muraille. Mais ensuite, on retrouve une autre muraille autour du cœur à cause d'un problème dans le couple. Et du coup, c'est lié au couple. C'est une autre muraille, c'est pas la même muraille. Donc, chaque chose libérée, elle est à toujours libérée. Mais comme je disais, il y a tellement d'émotions et c'est pas que des émotions. On va voir ensemble lors de l'atelier. On travaille aussi des croyances, d'autres déséquilibres dans le corps. Et du coup, chaque déséquilibre qui est libéré, il est pour toujours libéré, mais il y a d'autres énergies à travailler. L'important, c'est de comprendre, on commence par la chose la plus importante, c'est pas la quantité qui nous intéresse, mais la qualité du travail. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Okay. Merci. Donc, merci Dorella. Merci pour la réponse que tu as apportée à Mercedes. Et donc, moi, si je comprends bien, justement, c'est que lorsqu'on libère une émotion, c'est à partir d'une situation. Quand tu parles de spécifique, donc à partir d'une situation. Ouais. Est-ce à dire que si tu es de nouveau confronté à une situation similaire, c'est que l'émotion ne te submergera plus. C'est même au-delà de ça, hein. Si on a terminé le travail
sur une telle situation. Il est fort possible qu'une situation similaire ne vienne plus. D'accord. Donc ça aussi, c'est possible. Et si ça vient, ben, on ne réagit pas de la même façon. On va donner un exemple parce que ça aide beaucoup d'avoir l'exemple. Une femme qui rencontre que des hommes qui la trahissent. Donc, c'est en elle une énergie. Donc, on parlait de ça. Donc, on attire le même type d'homme. Quand elle prend conscience, oh mon Dieu, mais toutes mes relations, elles sont pareilles. Avant de savoir ce que je vais faire dans ma vie, j'avais posé une question à une personne. Tu me parles que dans tous les lieux de travail, c'était tensionné, c'était pas bien, il y avait beaucoup de disputes, c'était pas bien. Je dis, quel est le seul lien entre tous tes lieux de travail? Oh, je sais pas. Ben, t'es la seule personne qui était la même dans chaque endroit. Donc, quand il y a cette prise de conscience, oh mon Dieu, donc, ben, oui, c'est vrai que j'ai eu plusieurs partenaires, mais il y a toujours moi de l'autre côté. C'est moi l'autre joueur. Donc, il y a cette prise de conscience et on commence à faire le travail de libération. Et quand on fait le travail de libération, on ne va plus attirer le même type d'homme parce qu'on attire seulement ce qui est aligné avec nous. Mais quand je fais mon travail de libération, je n'ai plus la même énergie. Mon énergie maintenant va attirer une personne alignée à mon nouveau moi. Waouh, c'est bien, super. Merci beaucoup, c'est clair. Ouais, c'est avec grand plaisir. Ouais. Donc, je retirerai cette muraille. Je vais dire même, c'est un travail complémentaire à ce qu'on a déjà fait. Je ne vais jamais dire cet atelier est le plus important ou au contraire, je peux dire pour chaque atelier que c'est le plus important. Donc, il y a cette petite histoire. On a une chaise avec trois jambes. Ou trois pieds, d'accord? Donc, c'est l'amour, donc les relations, l'argent et la santé. Lequel est le plus important? Ben, tous les trois, parce qu'on ne peut pas retirer un seul pied. Donc, on a besoin des trois pieds. Donc, ce travail, il est complémentaire aux autres parce qu'on ouvre le cœur et on s'autorise à aller au-delà de nos limites passées. Donc, on libère ce qu'il y a sur la muraille et là, on devient conscient qu'on prend plaisir de la vie. Et je me dis, je fais le travail que je fais parce que j'ai réussi à avoir la relation avec mon mari que je désirais. J'ai toujours su ce que je voulais, mais je ne l'ai pas eu parce que j'avais un bagage émotionnel. Je ne savais pas quoi faire, mais je n'ai pas arrêté de chercher jusqu'au jour où j'ai trouvé. Et là, quand j'ai vu ma relation transformée, il y a une chose qui me vient dire, pas à 180 degrés, c'est à 360, mais sur un autre chemin. Donc, c'est vraiment complètement différent. Et quand j'ai vu que moi, j'ai changé, c'était moi qui a travaillé, mais mon mari avait changé. Et c'est moi qui avais travaillé et mon mari avait changé. Et je dis, là, oui, là, j'ai la clé. Là, je peux venir et dire. Donc, si moi, j'ai réussi, chaque personne peut réussir. Parce qu'il n'y a pas un secret, il n'y a pas une arme secrète ou une clé secrète. On peut tous réussir. Et c'est simple. Parce que moi, au bout de 4 semaines, j'étais, tu sais, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Ben, on essaye. Et on est toujours là, très heureux ensemble. Donc, tout en sachant qu'il y avait tout un bagage émotionnel, que moi, je continue à travailler sur mes émotions. Donc, la douche émotionnelle, ben, pour moi, c'est le quotidien. C'est très important. C'est voire plus important que de laver son corps. Je trouve plus important de prendre soin de l'intérieur. Et du coup, ça ne m'empêche pas d'être heureuse, épanouie. Donc, il n'y a aucune panique. Je continue à travailler et quand il y a certaines situations, moi, je sais que je fais appel à mes outils. Donc, je regarde et je sais qu'il y a quelque chose à travailler chez moi. Donc, il ne faut pas se demander, mais qu'est-ce que je vais faire?
On a les outils et c'est simple à pratiquer. Et c'est ça le plus important. Donc, on approche petit à petit la fin de l'atelier vraiment, et je veux jouer avec vous. Oui. C'est vraiment super. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure. C'est très important. En fait, le fait de travailler sur soi-même, ça rayonne sur d'autres personnes. Donc, ça, c'est, en fait, c'est comme ça, finalement, qu'on fait évoluer notre humanité. C'est-à-dire qu'il suffit que nous travaillons et autour de nous, toutes les personnes, ressentent cette libération qui peuvent les libérer, du coup, eux-mêmes aussi. Donc, ouais. On fait œuvre de bonnes œuvres justement ouais. pour l'humanité en fait et en commençant par nos relations, notre famille, nos amis, voilà. Ouais. Bah ça va au-delà de ça. Donc il y a beaucoup de techniques. Je pense qu'on dit tous la même chose, mais on utilise des mots différents. Par exemple, ceux autour de nous sont des miroirs. Pour c'est nous. Ça, ouais. Donc, si moi je change, le miroir va changer. On disait en début d'atelier, donc le pouvoir du champ magnétique du cœur, donc c'est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Ben, si on a ça, ben imaginez un cœur ouvert, grand ouvert, comment ça va rayonner tout autour de nous. Ben, c'est incroyable. Donc, si moi je change, j'attire des expériences différentes. Si c'est les mêmes personnes, on va les regarder et on va plus les reconnaître. Ils ont changé. Si c'est pas les mêmes personnes, on retrouve des personnes qui sont alignées au nouveau moi. Et c'est incroyable parce qu'on peut partager des beaux moments dans la vie. Donc, je vais pas parler aujourd'hui des croyances. Il y a les autres conférences, mais juste dites-vous. Mais si moi je crois que le monde c'est un champ de bataille, c'est ce que je vais avoir dans ma vie. Si moi je dis ben, la vie est belle, c'est ce que je vais retrouver dans ma vie. Et sur l'écran, je dis juste ça ce soir parce qu'on peut aller au-delà de ça beaucoup et travailler encore et encore sur les croyances. Mais déjà, travailler sur le cœur, ça ouvre grand ouvert le cœur. Et si vous avez déjà les autres ateliers, ben, vous participez à cet atelier-là où on ouvre le cœur, les portes du cœur et refaites les enregistrements des ateliers précédents. Et vous allez voir comment ça devient encore plus puissant comme travail. Pourquoi je dis reprendre les ateliers que vous avez déjà achetés? Parce que à chaque fois, quelque chose de différent qui est aligné à cette nouvelle énergie va être libéré. Et vous dites, mais oui, mais j'ai participé. Oui, mais mon intention, elle est là pour vous soutenir à chaque fois que vous regardez l'enregistrement. Donc ça, c'est bien important. En fin d'atelier, j'aimerais faire le petit test musculaire. Parler un petit peu du test. Il y a plusieurs façons de faire le test. Quand on ne s'y connaît pas, la chose la plus facile, c'est se mettre debout. Mais avant de se mettre debout, je vais vous dire de boire un petit d'eau si vous en avez. Parce que l'hydratation, elle est très importante. Donc, moi, j'ai juste pris une goutte, mais vous pouvez boire un verre d'eau avant de faire un test musculaire. Pourquoi je vous parle de ça? On peut tous tester, presque tous. Il y a certaines contraintes pour une très petite partie de l'humanité. Et on peut poser des questions. Moi, j'ai appris le test musculaire par un jeu, par hasard. Et après, j'ai compris comment c'est puissant. Donc, le test musculaire va répondre oui ou non à toutes sortes de questions. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout, voire même assise, mais pas avec le dos appuyé. Donc, avoir de la distance pour laisser le corps bouger. Et tout en restant debout, sans le dos collé à quelque chose, c'est comme si vous videz la tête et vous dites oui, 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 oui.
Vous pouvez même penser à un gâteau que vous aimez, à une chose que vous aimez, à un enfant que vous aimez, et laisser le corps bouger. Donc, si le test fonctionne, quand vous dites oui, 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 vous allez vers l'avant. Donc, le corps va tout seul vers l'avant. On se remet en position neutre. Et maintenant, on dit non, 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 non. Et là, vous pouvez penser à quelque chose que vous n'aimez pas et vous allez sentir le corps partir en arrière. Donc, c'est comme si non, mais je ne veux pas de ça. Donc, ça, c'est le test musculaire pour vérifier si on peut faire le test, si on reçoit des réponses. La plupart des gens vont avoir le oui vers l'avant, le non vers l'arrière. Après, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire le test musculaire, mais pour cela, il y a d'autres étapes à franchir. Si le oui, le non fonctionne, la prochaine étape, c'est de tester son prénom. Donc, on va dire mon prénom ou mon nom et on va dire le nom. Donc, moi, par exemple, je dis Dorella et vous, vous dites votre nom à vous. Et là, le corps va aller vers l'avant si tout va bien sur le deuxième test. On se remet en position neutre et là, on va dire mon nom est, et là, vous pouvez dire Dorella si vous ne vous appelez pas Dorella. Et là, vous allez sentir le corps aller vers l'arrière quand vous dites le nom qui n'est pas à vous. Donc, jusque-là, c'est juste faire le test, identifier les réponses oui et non et que, ben oui, ça nous confirme que mon nom est mon nom et mon nom n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Une fois qu'on a fait ce test, on peut poser des questions. Est-ce que j'ai une muraille autour du cœur? Et on va trouver si la réponse est oui ou non. Est-ce que j'ai des émotions qui sont prêtes à être libérées? On va voir si la réponse est oui ou non. Donc, des questions on peut poser. On ne va pas recevoir des réponses pour toutes questions. Ce n'est pas pour prévoir l'avenir. Est-ce que je vais tomber malade? Ben non, on ne pose pas ces questions. Ou est-ce que je vais me marier? On ne pose pas ces questions. Mais là, sur ce qui se passe dans le présent, si je peux soutenir mon corps, on peut poser des questions. On peut même demander, est-ce que cet aliment, il est bon pour ma santé? Est-ce que c'est bien que j'achète cet aliment? Donc, on peut poser beaucoup, beaucoup de questions, jouer avec le test musculaire et vérifier les réponses. Donc, ça, c'est pour faire le test, pour vérifier par vous-même que, oui, ben, en fait, le corps bouge. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe, mais il a bougé. Et lors de l'atelier, nous, on va utiliser le test musculaire, mais lors de l'atelier, c'est moi qui fais le test pour vous. Parce que je disais en début de conférence, on va faire une connexion du groupe et c'est moi qui pose les questions, qui reçoit les réponses. Et on a une structure sur laquelle on va libérer la muraille du cœur. Donc, c'est un travail du groupe. On cherche les choses les plus importantes et en fin d'atelier, on apporte aussi quelque chose de positif. Juste une précision, deux précisions avant de vous parler un petit peu plus de l'atelier. La muraille libérée, vous êtes sur les relations du couple ou toutes sortes de relations, pour la relation avec de l'argent, même sur l'état de santé, parce que il y a de l'authenticité qui s'ouvre. Donc avant, j'avais le cœur fermé, j'étais peut-être pas suffisamment authentique. Mais en faisant ce travail, ça ouvre l'authenticité et on voit les gens venir. Il y a une transparence de l'énergie, les gens qui sont attirés, parce qu'il y a une béatitude, c'est une très belle énergie. Et du coup, ça se ressent directement. Une muraille autour du cœur, ça peut être lié à des comportements addictifs. Donc, en travaillant cette muraille autour du cœur, ça libère le cœur. Parce que quand le cœur ne reçoit pas l'amour sous une forme saine, le cœur va chercher l'amour dans les addictions, toutes sortes d'addictions. Donc, je ne vais pas dire qu'un seul atelier suffit, que c'est
juste ça que vous avez besoin. Mais comme on disait, cette prise de conscience, cette ouverture, ce pas franchi, ça va vous aider à voir que ben, les addictions vont être petit à petit transformées en quelque chose de bien plus positif. Donc ça, c'est une chose que j'aime beaucoup sur le travail de la muraille. Et là, je veux partager un petit peu plus sur l'atelier. Donc, moi, j'aime les structures quand je travaille parce que on ne part pas à hasard. Donc, on identifie des émotions piégées et on les libère. Donc, on fait une connexion de groupe, on identifie, on commence à libérer, émotion après émotion, c'est un travail qu'on fait ensemble. Vous allez voir comment vous sentez ces émotions. C'est une prise de conscience, donc une observation. Il y a l'émotion qui vient d'être citée, on la libère et on voit comment dans le corps, on ressent cette libération. Une fois qu'on fait le travail de libération d'émotions, on vérifie qu'est-ce qui reste à faire. S'il y a d'autres déséquilibres liés à cette muraille qu'on vient de libérer, ça peut être des déséquilibres dans le corps, ça peut être des croyances limitantes. Donc, on vérifie ce qui ressort pour le groupe qui se crée, le travail qu'on fait ensemble. Et ensuite, j'aime intégrer des croyances positives. Donc, il ne faut pas les croire, c'est juste aligner le sous-conscient à des croyances qui peuvent vous soutenir. Nos croyances vont créer notre réalité. Donc, on enlève ce qui ne nous aide pas, on met ce qui nous aide et c'est là une énergie avec laquelle on va partir vers l'avenir. Et une fois qu'on termine tout ça, on discute de ce qu'on a fait dans l'atelier, comment vous avez ressenti, si vous avez des questions, si vous avez besoin des réponses que je n'ai pas atteintes par moi-même, on les discute ensemble, même lors de l'atelier, et vous allez découvrir comment c'est de s'ouvrir le corps, donc ouvrir les portes du cœur, briser les murailles et du coup libérer ces barrières émotionnelles. Eh bien, super! On va passer une super soirée aussi. Ce sera le mercredi 26 juin, donc je rappelle la date, à 20h. Je vous invite pour les personnes qui sont en direct avec nous, si vous voulez être avec nous pour suivre cet atelier pour votre libération émotionnelle, ouvrir votre cœur, eh bien, cliquez sur le lien que j'ai mis dans le chat. Et puis, vous aurez toutes les informations. Dorella vient d'en parler, de tout ce qu'on va faire pendant cette soirée d'atelier. Et vous les retrouverez donc sur la page lorsque vous cliquez sur le lien que je viens de mettre. Et évidemment, pour les personnes qui sont en replay, vous aurez en dessous de la vidéo toutes ces informations et sur YouTube, vous aurez dans la description le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour arriver sur la même page. Voilà. Bien, tu as bien expliqué les choses. Ouais. C'était clair. Donc, c'est maintenant. Il y avait Mercedes qui nous a posé sa question de savoir si ça s'enlève pour toujours. C'est très subtil, en fait. Le travail est à la fois puissant et subtil, je trouve, de ce que tu me racontes là. C'est vraiment comme ça. Ça semble tellement facile, tellement simple. On a même envie d'y croire pas. Et du coup, on se retrouve que c'est vraiment puissant. Et comme je disais, l'intention est très puissante quand on la met. Mmh. Le praticien qui fait le travail, c'est à partir de son énergie à lui qu'il fait le travail. Donc, sur l'échelle de la conscience, on peut être de 0, 200, 300, 500, ainsi de suite. Et c'est là où on est qu'on soutient le travail. Donc, on n'est pas à 200, on est à 500, 800. Donc, c'est nous
qui donnent l'énergie du travail peut vous soutenir vous aussi, parce que c'est un travail qui vient de la guérison du praticien. Parce que si moi, je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas être là pour les autres. Et du coup, moi, je prends soin de moi et c'est pour ça que je peux venir soutenir. Et si vous vous posez la question, est-ce que je le prends sur moi? Je ne prends rien sur moi. Donc, la libération, ce n'est pas une libération de chez vous qui va sur chez moi. Pas du tout. On libère et même moi, je libère. Donc, c'est un travail de groupe où on libère tous. Donc, l'intérêt, ce n'est pas que quelqu'un aille mal de ce qu'on fait ensemble. Et ça vient des croyances. Je vous ai dit, les croyances dictent notre réalité. Donc, ma croyance, c'est que moi, je fais du bien aux gens. Du coup, si moi, je donne du bien, c'est du bien qui me revient. Et c'est comme ça que j'y crois et c'est ce que je vois dans mes expériences de vie parce que c'est ma croyance qui crée ma réalité. C'est un travail collectif, c'est une libération collective en fait. Tu travailles sur nous, mais tu travailles sur toi-même aussi. Oui. Donc, ouais. Oui. Mmh. Oui, c'est bien. Ça. Super. Eh bien, merci beaucoup. Je ne vois pas de questions, donc... À mon avis, si tu as un petit dernier mot à dire, peut-être. Mais moi, je dis tout simplement, eh bien, écoutez, si la libération émotionnelle vous tente, eh bien, rejoignez-nous le mercredi 26 juin avec Dorella à 20h. On sera ensemble pour nous libérer tous et nous faire du bien. Oui. Voilà. Ben, je vous attends tous pour faire ce beau travail ensemble. Merci Dorella et merci à toutes les personnes qui étaient avec nous. Et puis, ben, à bientôt et par exemple au mercredi 26 juin. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir.